Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo achat. Achat un petit peu du trimestre. C'est une dernière vidéo datée de janvier. Donc là, nous sommes au mois de mai. Donc voilà, je fais pas souvent des vidéos achat, mais bon, j'espère que ça vous plaira. On va voir un petit peu tout ce que j'ai pu acheter au cours de ces précédents mois. Et on va commencer par un tome dont on m'a demandé si je le prendrais en français ou en anglais. Il s'agit du dernier Conan, que j'ai pris en trade paperback anglais. Alors, pourquoi me direz-vous? C'est le même prix, globalement, voire même un peu plus cher en VO qu'en français. En tout cas, moi, je l'ai lu un peu plus cher. Alors, pourquoi je l'ai pris? Je l'ai pris parce que ça prenait moins de place, tout simplement. Ça prenait moins de place. J'étais très intéressé pour voir s'il y avait des couvertures, puisque chez Panini, on a les couvertures en 4. Là, en fait, on a les couvertures encore plus petites, mais on a quelques articles. Alors, on a un article qui nous raconte toutes les créations de Robert Howard, ainsi bien Conan. Plusieurs articles assez intéressants, et après on a toutes les couvertures. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Alors, elles sont toutes petites, voilà. Mais on a toutes les couvertures, qu'elles soient variantes, pas variantes. Voilà. Bon, c'est format timbre poche, je vous l'accorde, mais ça donne. Voilà, on a vraiment toutes les couvertures de tous les épisodes. Puisqu'il faut savoir que chaque épisode contient au moins 4 à 5 couvertures. Des couvertures inédites, etc. On a quelques sketchs, je crois, qu'on retrouve dans la version française. Voilà. Et après, un peu de pub pour la sortie des prochains omnibus chez Titan, qui devrait être remasterisé. Alors, je sais pas trop ce que ça veut dire. Voilà. Et donc, on a hop, ce trade paperback, voilà. Bound in Blackstone. Donc un trade paperback, moi, l'histoire. J'en ai déjà parlé, je la trouve excellente. Si vous voulez, j'ai un petit short dessus. Voilà, moi, ça me plaît beaucoup. Pour être à jour sur ce qui suit, je trouve que l'histoire vraiment devient très intéressante. Vraiment, là, Jim Zub, il mêle plein de choses. Alors, on retrouve Robert de la Torre n'est pas présent partout. On trouve tout Wild Breath pour le deuxième arc. Et après, il revient pour le troisième. Mais franchement, c'est vraiment pas mal. Autre achat également en VO, puisque je continue uniquement en VO, c'est le trade paperback d'Amazing Spider-Man. Je crois que celui-ci, c'est le 8. On va retrouver voilà, un Spider-Man qui va être dessiné par Gleason. Voilà. On a du Ed McGuinness aussi dedans. Voilà, c'est plutôt très sympathique, ça fait le taf. Moi, je suis... C'est pas extraordinaire, voilà, on peut dire ce qu'on veut, mais j'attends de voir sur la longueur ce que nous proposait Zeb Wells. Voilà, parce qu'on a vu quelques images de l'épisode 50, voilà, qui n'est pas sans lien avec ce dessin. On va voir ce que ça nous réserve. Voilà. C'est une petite lecture, ça devient presque une lecture coupable de lire l'Amazing Spider-Man de Zeb Wells. Voilà, j'assume cette lecture coupable. autre achat, pour le coup, où grâce à JN Lecteur, on s'est un peu baladé et il m'a dit ouais, n'hésite pas. Et effectivement, j'ai pas hésité, j'ai pris le Ragnarok de Walter Simonson aux éditions Black River. Il était à 6 euros. 6 euros est à quasi 9. Il est juste un petit peu rayé ici, mais franchement, voilà. Et puis Ragnarok, c'est vraiment très sympathique. Franchement, j'ai vraiment apprécié cette histoire. Les dessins, voilà. Ils en voient quand même. Alors, ça, c'est la version en noir et blanc. Je vais mettre la version couleur. Mais. Franchement, ouais, ça le fait, c'est très épique. Cette histoire de crépuscule des dieux où finalement, bah, il en resterait peut-être un quand même qui est encore vivant ou pas. Et franchement, je suis très curieux d'avoir la suite. Alors, je sais la trouver également en occasion, à voir. Parce que les tomes, même s'ils sont somme toute assez classiques, c'est quand même 19 euros le tome. Non, un poil cher, je vous l'avoue. Autre achat. Cette fois côté manga, j'ai réussi à trouver alors que des choses en occasion. J'ai réussi à trouver The Fable, tome 16, en occasion. Voilà. Donc je continue cette histoire. Ça devrait se terminer normalement au tome 22. Cette histoire de The Fable, donc de Sato qui est mis au vert. Mais en fait, être mis au vert dans une petite bourgade, bah, c'est pas tant que ça. Il y a des luttes intestines, etc. C'est vraiment pas mal fait du tout. Franchement, moi j'apprécie beaucoup. Cet univers, on a un style en plus qui est plutôt sympathique, avec ce Sato qui est vraiment déconnecté de la réalité, mais pas totalement. En fait, c'est toujours intéressant de voir comment
comment il évolue. Et puis bon, voilà, pas mal de choses assez sympathiques. Voilà, on retrouve des trucs assez marrants. Également en manga, bah, j'ai pris suite là aussi en occasion, une bonne occasion, j'ai pris ce premier tome de Dr. Slump d'Akira Toriyama. Je n'avais pas cette série, donc j'ai pris cette version ultime et franchement, graphiquement, c'est tellement bon. Toriyama, il régale à chaque planche. On pense que ça a été fait en 1980. Voilà, il y a du détail, il y a plein de choses. Cette édition est en plus très quali, elle sera en 15 tomes. J'ai vérifié, c'est pas 18, je pensais que c'était en 18, mais c'est en 15 tomes. Et vraiment, vraiment, a fait le taf. Dans les petits formats, j'ai également acheté The Boys, voilà, en format de poche. Grosse et grosse, grosse poche. Voilà, The Boys, moi j'aime bien. J'avais lu à l'époque en médiathèque, quand c'était. C'était en plus la médiathèque qui avait la version Deluxe cartonnée. Voilà. Donc, et pas la version souple. Donc à l'époque c'était assez marrant de voir que seules les médiathèques avaient ceci. Donc voilà, The Boys, l'histoire des petits gars qui embauchés par la CIA, qui vont contrôler des super, qui voilà, qui font un peu n'importe quoi, et vraiment n'importe quoi. Et Garde Sinis, il se régale de faire n'importe quoi. De montrer aussi. À certaines choses, hein, comment l'opinion peut virer d'un côté ou de l'autre en fonction d'eux. Il y a vraiment pas mal de choses, c'est trash, c'est gore, c'est sexe. Voilà. Mais moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Alors je n'ai pas vu la série télé, je n'ai pas de point de comparaison par rapport à celle-ci. Parce que pareil, la série télé est très bonne. Voilà. Peut-être à l'occasion, mais c'est vrai que pour le moment, bah, voilà, je me contente du comics et que je trouve plutôt sympathique. Ça sera en 7 tomes. Bon, on aura un tome, ça va prendre 2 ans pour sortir sous ce format, et je n'ai pas lu Sherbecky, donc ça sera l'occasion de lire ce dernier récit autour de The Boy. Également trouvé en occasion ce Slam Dunk, on est en perfecte édition. Je comptais pas vraiment la prendre au départ, mais je me suis dit, bon voilà, elle était vraiment moins chère que le prix d'origine. L'origine, ça va être 14 € quelque chose comme ça, j'ai dû l'avoir à moins de 10 ou 10, voilà. Et la qualité est assez folle, faut dire ce qui est. Qualité du papier, les couleurs, le format, vraiment au Kana, ils ont fait les choses bien pour cette. Bon, est-ce qu'ils avaient le choix? Peut-être pas, hein. C'était vraiment raté sur la Star Edition, donc voilà. Et franchement, ça le fait. Donc, je sais pas si mon sortir Yu Yu Hakusho qui est une série que j'aime beaucoup. S'il la sort tout ce format, est-ce que je craquerai, sachant que j'ai déjà lu 2 précédentes versions? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà. C'est compliqué. Hein. C'est très compliqué. Au mois d'avril, c'était l'anniversaire d'un super-héros, les 60 ans d'un super-héros. Et quel super-héros? Il s'agit de Daredevil. Bah, j'ai pris la version Deluxe de Daredevil. Et en fait, ça doit être un des tomes de la continuité récente que j'achète depuis au moins 15 ans, parce que j'avais le dernier que j'ai, du coup, pas peut-être pas 15 ans, le dernier que j'ai acheté c'était l'Icons de Mark Waid, le deuxième Icons, mais depuis plus rien. Je n'ai pas suivi le run de Charles Soule, je n'ai pas suivi le run de Zdarsky sous ce format. Donc le 100% est un format qui ne me plaît pas trop. Et puis bah là, on a 300% pour un Deluxe. Voilà. C'est un petit peu la douille quand même pour ceux qui ont suivi hein, en 100%, il faut dire ce qui est. Donc j'attends. Pour le moment, j'ai déjà lu le run au moins jusqu'à Devil's Reign. J'ai pas lu la deuxième partie. Voilà, donc là, je relis cette partie-là. Voilà, premier arc, effectivement, vraiment pas mal. Deuxième arc, dessiné. Voilà, tout le monde a dit, ouais, Keketo, il part des deuxième arc. Ouais, bah, on fait ce qu'on peut. Hein. Effectivement, le deuxième arc est moins bon graphiquement, mais il est intéressant quand même. Donc, à suivre cette histoire. Et franchement, alors, j'ai plus de mal sur ce qui va arriver au Kaïd, que je n'ai pas encore relu pour le coup, mais c'est à suivre. Et ça n'est pas le seul achat de cet anniversaire, puisque j'ai également pris l'intégrale 1975-1976 avec la première apparition de Bullseye. Voilà. On va arriver bon an mal an à la période 2000 heures. Parce que, voilà, peut-être encore 2 ans à la période 2000 heures. Voilà, je suis format intégral. C'est voilà, c'est
C'est assez sympathique. Donc là, il y a d'Isabella Wolfman et du Braun. Il y a un tout petit peu de Gene Colan, mais je crois qu'il a lâché. Donc voilà, on a un style un peu plus classique au niveau du dessin et même au niveau de l'histoire. Sachant que Daredevil fait des choses, quoi. Il prend que les mauvaises décisions, il fait des trucs horribles. C'est assez compliqué des fois de se dire pourquoi il fait ça, notre ami Daredevil. Bon, c'est comme ça. Sa relation avec la veuve noire est toujours très compliquée. Voilà. Bon. C'est comme ça. Et pour finir ce mois d'Ardeville, j'ai pris l'Epic Collection, voilà, en déchéance de Dan Chichester et de Scott McDaniel. J'en ai déjà parlé lors de mon live, mais voilà, je suis curieux de voir cette période que je connais assez peu finalement. Et graphiquement, c'est très particulier, il faut vraiment s'habituer en fait. Moi, j'aimais pas ce style de Scott McDaniel quand je l'ai découvert début des années 2000. Je l'apprécie de plus en plus. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose. Il y a vraiment quelque chose dans l'action. Alors, ça peut faire un peu brouillon, mais il y a des trucs intéressants. L'histoire, elle aussi, est assez intéressante. Beaucoup de personnes ont eu du mal avec ce comic, ce que je peux comprendre, parce que vraiment, c'est pas une lecture facile, en fait, par rapport à plein de choses, c'est assez verbeux. Le dessin peut être vraiment quelque chose qui peut repousser à première vue. Mais je trouve ça pas inintéressant et j'attends surtout qu'il sorte. Moi j'aimerais bien qu'il ressorte soit la suite, soit le début, soit la fin de l'histoire avec le Caïd qui doit être dans le TPB, quoi, dans l'épique précédent, soit la suite avec Inferno. Toute cette partie que James de Matteis a fait avec Inferno, Purgatorio, Paradiso, qui va conclure d'une certaine manière tout un pan de l'univers de Daredevil. J'avais lu la partie Inferno, j'ai pas lu les autres parties, il faudra que je les relise, mais vraiment c'était vraiment très intéressant et un Matt Wagner à l'époque au dessin qui était absolument grandiose. Donc voilà. Par contre, je sais que les deux sont dans deux traits de paperback différents, forcément, deux épiques différents. Donc, bon. On va voir ce que nous sort Panini, mais s'ils peuvent continuer les épiques qu'ils ont fait comme ça serait vraiment bien. Je sais qu'il va y avoir une nouvelle version, vous savez, ils reprennent certaines histoires du passé, ça avait été le cas avec Peter David, avec Symbiote Spider-Man. Là, il va y avoir un Daredevil en armure, scénarisé par Dan Chichester. Donc, j'attends de voir aussi ce que ça peut donner. Est-ce que je craquerai sur ce tome? Peut-être. Parce que j'avais vraiment pas trouvé ça inintéressant. Mais à suivre. À suivre. Ce que nous faire. Avec d'autres séries de mangas que je continue. Kengan Omega. Voilà. Manga de baston. Qui peut être un peu moins bien que Kengan Ashura pour le coup. Mais il y a certaines histoires qui sont reprises. En fait, c'est intéressant de voir que le scénariste avait un plot et qui développe au fur et à mesure. On retrouve des indices dans Kengan Ashura qui sont repris dans Kengan Omega. C'est pas inintéressant. Voilà, à voir si ça traîne pas trop en longueur. Je sais que là, le tome 12 est sorti. Voilà, j'ai un peu de retard sur la série. Mais voilà, on aime la baston. C'est plutôt sympathique. C'est plutôt bien dessiné. Franchement. Moi, je trouve ça vraiment pas mal. Et également dans les mangas de bagarre, on retrouve La Perfecte de Baki avec ce tome 16. Bon, c'est toujours pareil, Baki. Hein. Voilà, c'est de la baston. Là, en plus, on est dans le tournoi, donc c'est de la baston, de la baston, de la baston. Vraiment, on va très très loin. Voilà, je sais que la saison 2 est annoncée pour ce mois de mai. J'attends de voir, mais on a des. Voilà. Baki, c'est toujours dans l'extraordinaire. C'est une lecture vraiment pop-corn, où on ne se prend pas la tête. Et l'auteur réussit à nous entraîner dans tout ceci. Et enfin, le petit dernier, c'est Jojo Land. Voilà. Dernière partie de Jojo Bizarre Aventure sortie à ce jour chez Tonkam. Bon, je retrouve exactement l'ambiance des Jojo, etc. On n'est pas en terrain. On est vraiment en terrain connu pour le coup. Donc bon. C'est plutôt très sympathique. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter. Dites-moi ce que vous avez acheté de votre côté sur ces quelques mois, voilà, ou ce mois, ou cette semaine, ou enfin, ce que vous voulez. Dites-moi ce que vous avez acheté, si on a des achats en commun, ce que vous avez pensé de certains titres. N'hésitez pas, j'y répondrai dans les commentaires. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, bah, n'hésitez pas à vous abonner, voilà. Ça fait toujours plaisir. La chaîne grandit de plus en plus.
J'espère pouvoir tenir mon objectif de l'année, mais plus ça va, plus j'ai des doutes. Enfin bon, à suivre. Et sur ce, je vous dis ciao, ciao.